Allons-y. Franck Koch avec une équipe très remaniée. Là, je reste bien de réaliser une grosse performance avec une paire de points. Ouais, on a fait une bonne première mi-temps, une bonne entame de la deuxième mi-temps. Ça a été un peu plus dur sur la fin, mais dans l'ensemble, on a fait un match de bon niveau et une victoire méritée avec des jolis buts. Donc c'est bien. Ça a permis de faire jouer pas mal de joueurs, puis de voir quelques jeunes aussi. Voilà, donc c'est bien. Il y a 3-4 joueurs sur le premier rang. Ouais, c'est bien. Donc montrer qu'ils avaient des qualités, mais que bon, ils n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts pour jouer là, mais qu'ils avaient des qualités. Donc à eux de continuer de travailler. Et puis il faut leur laisser un peu du temps pour progresser. Mais bon, c'est bien, ils ont montré des choses intéressantes. Donc aujourd'hui, ils ont démontré aussi que vous pouvez compter sur eux. Hein. Oui, mais bon, après c'était un match sans pression pour nous. Ils sont rentrés à 3-0, donc c'était les meilleures conditions possibles. Après, il faudra les voir dans d'autres conditions, avec des matchs à pression. Et donc voilà, mais bon, ils ont montré des qualités, c'est bien. Donc, mais bon, je pense qu'ils ont vu aussi le travail qu'il leur faut encore pour pouvoir prétendre jouer dans l'équipe professionnelle de la JSK. Donc à partir de soir, le cap sera mis sur la coupe. Voilà, ben maintenant, bon, on y est depuis le début de la semaine. Là, c'était le match qu'on devait jouer. Bon, mais depuis le début de la semaine, on est sur la préparation de la finale. Et là, on va continuer demain, petit à petit, jusqu'à mardi, on va préparer ça. J'espère que tous les joueurs sont aptes, on fera l'effectif au complet. Que ça aura permis à certains de retrouver un peu de fraîcheur physique et que tout le monde pourra, je veux dire, se surpasser pour cette finale. Okay, parce que justement, il y a presque tout le monde qui est mis sur pied à part de joueurs qui sont en France. Oui, Boulaya, oui, qui est certain. Bon, on verra. Et Medan, bon, lui, qui ne pourra pas jouer. Mais oui, Boulaya qui est. Bon, voilà, on va voir. Il y aura un dernier essai dimanche et on verra si c'est positif ou pas. Et puis on verra après, on prendra les décisions après. Donc un mot pour les supporters, ils ont suivi le match, donc ils étaient assez contents. Oui, ben, c'est bien. Bon, c'était un match, bon match. Ils ont vu des jeunes joueurs, donc c'est bien pour le club. Et puis voilà, et puis bon, j'espère qu'on va ensemble bien préparer cette finale et qu'ils seront là pour nous soutenir et qu'on pourra fêter un titre ensemble mardi. Merci beaucoup.